نمط غذائي صحي في رمضان سينو اون نو بورا با بينيفيسي كامل لي بيانفي تاع الصيام. نبداوها كي نفرقو الصوم. لا لازم ناخذو دي سكر رابيد باش نطلعو لا غليسيمي. اون بو بروند باغ اكزومبل 3 تمرات ولا ان فروي افيك ان فير دو. ايفيتي تو سكي بن رايب اكسيتيرا باسكو سا بو كوزي دي تروبل ديجيستيف. On va dire le ftour. Alors, Anna, shorba, il faut pas taibou la même shorba pendant 30 jours. Attention, essayez de varier en utilisant kulmara des légumes wahtokhrine. On va dire qu'Anna, le plat, tabak tanel, les amis kulmutouazin, fait une portion de la protéinette, des viandes, favoriser les viandes maigres, ou là, des fois, on a des œufs, place la viande, ou des légumineuses, kima, la des, loubia, ferme des protéines. Aussi, les amis kulmut, des légumes, soit taibine ou la des crudités des salades. Une portion de glucides, le khobz ou le riz, et bien sûr un peu d'huile d'olive, d'aymen, pour apporter des lipides. Le borek, alors là il faut éviter les farces, les confirmes, le gras, et pour sa cuisson, l'idéal c'est que tu au four, éviter les bains d'huile, ça veut dire que tu as un mélange, 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 et vous le faites dorer. Pendant ça, là, il ne faut pas abuser de tout ce qui est boisson diurétique excitante. Qui m'a le kahwa ou la taille, aussi les pâtisseries, le halwa, zlebia ou le kalblo, c'est pas tous les jours, une fois par semaine vous pouvez vous faire plaisir, l'idéal c'est de prendre des fruits fessara. Là on doit prendre des sucres lents, les hirlim, l'achidou toute la journée. Les sucres lents, nous devons faire un khobz, couscous, pâte, riz, et on doit les accompagner avec une portion de protéines. Une autre chose très importante, lazm tchorbou lma, et il faut éviter tout ce qui est boisson gazeuse et boisson sucrée. Sahar mnalkoum, inchallah tsoumou bsaha ou lhena.